Elon Musk et Grimm ont été en couple pendant 3 ans. Ils ont eu, ensemble, 3 enfants. S'il avait décidé de rester en bon terme en mars 2022, on ignore si l'on finit par se remettre ensemble ou s'ils sont séparés définitivement. Voilà un livre qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Walter Isaacson publie une biographie du richissime homme d'affaires Elon Musk ce mercredi 13 septembre 2023, mais certains extraits ont déjà commencé à circuler en ligne à droite à gauche. Dans l'un d'eux, révélé par le New York Times puis confirmé par Musk sur les réseaux sociaux, on apprenait que le président de Twitter, nouvellement X, et de Tesla avait eu un 3e enfant avec sa compagne, ou ex, Grimm, et qu'il l'avait appelé Techno Mechanicus. Voilà qu'une nouvelle histoire s'apprête à faire grand bruit. On ne sait pas s'il s'agit de la naissance de Techno Mechanicus ou bien de celle de son grand frère XA2, ou encore de sa grande sœur Exa Dark Sidérael. Toujours est-il que, dans ce livre, l'auteur interroge Grimm, de son vrai nom Claire Boucher, et qu'il rédige, en retour, le récit étrange d'une dispute de couple. Pour cause, Elon Musk aurait envoyé, à ses frères et à son père, mais aussi à des amis, des photographies de la césarienne subie par sa compagne sans même le lui demander. Il n'avait aucune idée de pourquoi ça aurait pu m'énerver, explique l'artiste canadienne de 35 ans, comme le rapporte le magazine People. Elon Musk, papa de 11 enfants, sont-ils restés ensemble malgré ses multiples péripéties? Difficile à savoir. En mars 2022, après 3 ans d'amour, Elon Musk et Grimm annonçaient qu'ils traversaient une semi-séparation mais qu'ils avaient choisi de rester proches. Et pour cause, ils sont désormais parents de 3 enfants, XA2, qui a dû changer de prénom à cause d'une loi californienne, et qui a 3 ans, Exa Dark Sidérael, 1 an et Techno Mechanicus, le petit dernier qui vient de rejoindre la famille. Elon Musk est, en tout, papa de 11 enfants. Son aîné, qu'il a eu avec son ex-femme Justine Wilson, est malheureusement décédé dans ses bras alors qu'il n'avait que 10 mois. La cause? Le syndrome de mort inattendue du nourrisson. I just need some